مجلس ملی فرانسه کنفرانس پارلمانی در تالار ویکتور هوگو با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت پیروزی عدالت حقانیت مقاومت ایران ششم آبان 93 28 اکتبر 2014 مریم رجوی بحران منطقه ناشی از جنایت‌های رژیم ایران در عراق و سوریه است و تنها با خلع ید از این رژیم پایان می‌یابد. نخست وزیر ادیت کرسون کریستیان کرت نایب رئیس فراکسیون حزب OMP در مجلس ملی فرانسه و معاون حزب نمایندگان مجلس ملی فرانسه ژان لاسال فیلیپ گوسلان از حزب OMP دومینیک لوفور از حزب سوسیالیست نمایندگان مجلس ملی فرانسه میشل ترو از حزب OMP آندر شاسین رئیس گروه چپهای دموکرات و جمهوریخواه ژرار شاراس از حزب رادیکال چپ سناتور آلن نری سناتور ژان پیر میشل ژان فرانسوا لوگاره شهردار منطقه یک پاریس نخست وزیر سید احمد قزالی استاندار ایو بونه رئیس پیشین سازمان اطلاعات فرانسه پیر برسی رئیس حقوق بشر نوین ژیل پاروئل رئیس پیشین کانون وکلای استان والدواز و طاهر بومدرا مسئول پرونده اشرف در سازمان ملل Le comité parlementaire pour un Iran démocratique s'est créé ici à l'Assemblée et dont les quatre principaux présidents prendront la parole tout à l'heure, qui représentent tous les groupes de l'Assemblée. Et on a bien voulu y associer le comité français pour un Iran démocratique que j'ai créé au Sénat, se réunissent aujourd'hui, bien entendu, pour débattre de la situation géopolitique très importante et très délicate qui se produit aujourd'hui et dans lequel l'Iran tente d'avoir une place. Pour l'instant, fort heureusement, la diplomatie française notamment s'y est opposée, mais jusqu'à quand? On peut se le demander. Et nous sommes ici aussi pour nous réjouir. Nous réjouir parce que enfin, la justice française, la vraie, non pas celle qui est manipulée par le pouvoir et le gouvernement, mais la justice indépendante, vient de rendre un non-lieu définitif et général dans l'affaire qui a commencé à Auvers-sur-Oise et qui est au début pour terrorisme, ensuite pour faits sectaires et ensuite pour abus de biens sociaux et divers délits financiers, fait porter une tâche sur l'organisation des Moudjahidines du peuple et notamment sur sa présidente, Mariam Rajavi, qui, comme on le sait, à l'époque, avait fait une longue garde à vue. Cette affaire avait été, à l'époque, on le sait maintenant, montée de toutes pièces, instruite par le juge Bruguière, sur un certain nombre d'éléments qui avaient été, mais Yves Bonnet le dira mieux que moi tout à l'heure, qui avaient été trouvés grâce au contact qu'avait Dominique de Villepin avec les autorités iraniennes. Fort heureusement, aujourd'hui, le juge Trividic a rendu une ordonnance de non-lieu. Et donc, après que l'organisation des Moudjahidines ait été rayée des listes terroristes, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, aujourd'hui, ce non-lieu général, eh bien, je dirais, donne, pas pour nous, mais pour l'opinion publique, et notamment pour l'opinion publique française, donne un nouveau visage à l'organisation,
enfin le visage qu'elle devait avoir. Le préjudice a été considérable. Il a été considérable. Puisque jusqu'à ce non-lieu, eh bien, on pouvait toujours suspecter, et certains ne s'en privaient pas, cette organisation de tous les délits possibles et même des crimes. Puisque, bon, c'était la première qualification, la première instruction menée par, pas le citer, enfin le juge Bruguière, passons. Alors voilà l'aboutissement de toutes les enquêtes, voilà l'aboutissement du travail considérable qui a été fourni par les avocats, des avocats compétents, connus, estimés, qui ont soutenu l'organisation du Moudjahidine du peuple dans cette affaire. Voilà l'aboutissement de ce que, modestement, nous, parlementaires, députés, sénateurs, personnalités, anciens premiers ministres, enfin, on verra tout à l'heure, voilà l'aboutissement de ce que nous avons mené comme combat, par des lettres, par des pétitions, par des réunions ici, ailleurs, par toute notre foi pour dire, pour répéter tout au long de ces années, que tout ceci était faux, que cette instruction était une véritable manipulation, eh bien enfin, la justice nous donne raison. Et à l'époque même, je dirais que le premier secrétaire du Parti Socialiste, à l'époque, s'était déplacé au Vers-sur-Oise pour exprimer sa solidarité à Madame Mariam Hadjavi. Alors, pour la France, cette instruction qui a duré très longtemps, eh bien, elle a coûté beaucoup d'argent, et il paraît qu'il faut faire des économies, et que le budget de la justice pourrait servir à autre chose qu'à de telles turpitudes. Et puis, pour l'organisation des Moudjahidines, ça a été, on le sait, un préjudice, puisque ça, je dirais, noircit ou obscurcit l'alternative démocratique qui est aujourd'hui présentée par cette organisation. Et on voit bien que dans tout ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, la réponse ne peut pas être purement sécuritaire, elle ne peut pas être purement militaire, même si elle est aujourd'hui nécessaire, vraisemblablement. La réponse, elle viendra des habitants même de cette région, voilà, qui devront répondre, avoir une autre réponse que celle qui est aujourd'hui, celle de l'islamisme radical et celle du régime des Mollahs en Iran. Et je dirais que le régime des Mollahs en Iran, comme d'ailleurs le califat proclamé à Mossoul, sont de la même eau, du même tonneau, c'est-à-dire, on le sait, la dictature, les exactions, les viols, les femmes rabaissées à la condition, enfin, d'animal, pratiquement, etc., etc. Je ne vais pas faire un dessin là-dessus, tout le monde connaît ça par cœur. Or, pour éradiquer cette menace, eh bien, qui fait des ravages jusque dans nos banlieues. Et donc la réponse, eh bien la réponse, elle peut être trouvée dans le programme, je dirais, de l'OMPI, le programme de Mme Mariam Hadjavi, qui va tout à l'heure le redire pour une énième fois, c'est-à-dire un Iran et un programme qui prône la séparation du religieux et de l'État et du politique, qui prône le suffrage universel, qui prône l'égalité totale entre les femmes et les hommes, l'abolition de la peine de mort. La réponse qui doit être trouvée, voilà comment, je crois, ces peuples amis, en Iran et ailleurs, se libéreront du joug absolument fanatique, ils s'en libéreront eux-mêmes, je crois, par l'apport qu'ils feront à la démocratie. Et donc, tout au long de cette réunion, c'est ce dont nous allons parler. Je vais m'arrêter tout de suite pour passer la parole à Mme Mariam Hadjavi, présidente du Conseil national de la résistance iranienne. Madame la Première ministre, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, honorables élus, Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis heureuse de me trouver parmi vous. Il y a un mois et demi, la justice française a reconnu par un non-lieu l'innocence de la résistance iranienne dans un dossier sur des marchandages politiques. Il y a 3 ans, la justice avait déjà prononcé un premier non-lieu, disant que
les actions de la résistance iranienne pour renverser la tyrannie ne peut pas être considérée comme du terrorisme. Cette décision est tout simplement une reconnaissance de la légitimité de la résistance pour renverser la dictature religieuse en Iran. Le peuple iranien a payé le prix de cette injustice par beaucoup de souffrances et des milliers d'exécutions. Ce dossier a enchaîné la résistance pendant 14 ans. Le livre du préfet Yves Bonnet sur cette affaire est d'une grande valeur car il fait la lumière sur plusieurs réalités. Dans sa politique, l'Occident s'est trompé de cible. Au lieu du régime des Mollahs, les États-Unis et l'Union européenne ont visé la résistance iranienne qui lutte contre le corps de l'intégrisme. L'assaut de 1300 policiers contre les bureaux de la résistance à Auvers-sur-Oise en 2003 et les contrôles financiers et juridiques longs et sévères sont un exemple majeur de cette politique. L'étiquette de terroriste, le bombardement des camps de l'OMP en Irak par les Américains en 2003, ainsi que la campagne de désinformation sont aussi des exemples de cette politique. Ces événements ont donné du temps aux Mollahs pour développer la force terroriste Quds pour remplir de roquettes les dépôts du Hezbollah pour avancer leur projet d'armes nucléaires et surtout pour exporter l'intégrisme du Moyen-Orient à l'Afrique qui ravage aujourd'hui l'Irak, la Syrie et les autres pays de la région. Je veux profiter de cette occasion pour aborder trois sujets. D'abord, la crise dans la région. Depuis l'été dernier, une grande coalition s'est formée contre Daesh. Mais son succès dépend d'une connaissance de l'ennemi principal et des racines de la crise. Daesh est le produit des crimes sans précédent des Mollahs en Iran, de Bachar Assad en Syrie et Maliki en Irak, avec leur politique sectaire contre une grande partie de la population en Syrie et en Irak. En 2011, avec des crimes sans limite, le régime iranien a mis toutes ses forces militaires du renseignement et diplomatique pour empêcher la chute de Bachar Assad. Et l'Occident a choisi de ne pas agir. Après la guerre de 2003, le régime iranien a transformé l'Irak en son arrière-cour en dominant tous ses organes. Les milices terroristes liées aux Mollahs ont sauvagement écrasé pendant des années de nombreuses parties en Irak en coordination avec les forces de Maliki. Non seulement les États-Unis n'ont pas protesté, mais ils ont salué l'action de Maliki. L'ampleur de ces crimes a créé les conditions du développement de Daesh en Syrie et en Irak. C'est donc le résultat de la complaisance avec la dictature la plus horrible de notre époque et de ses alliés. Maintenant, en profitant de cette politique de l'Occident, les Mollahs iraniens sont prêts à remplir avec leurs milices le vide qui serait laissé par Daesh après les bombardements de la coalition internationale. Quelle est donc la solution alors que tout le monde sait que les frappes aériennes ne sont pas suffisantes? Les lobbies des Mollahs prônent une politique de collaboration avec le régime iranien dans la guerre contre Daesh. Mais
ce serait le plus grand coup porté à la coalition, car les peuples syriens et irakiens vont voir que la coalition est aux côtés de leur ennemi principal, c'est-à-dire le régime des Mollahs en Iran. Pour libérer la région de l'intégrisme terroriste, il y a trois éléments indispensables sur les plans politique, militaire et culturel. Sur le plan politique, il est plus que jamais nécessaire de déterminer le véritable front au Moyen-Orient. Les gouvernements et les groupes se divisent en deux fronts. D'un côté, le régime de Guide suprême en Iran, la dictature qu'il soutient en Syrie et ses groupes paramilitaires en Irak, au Liban et au Yémen. De l'autre côté, les gouvernements, les nations et les groupes menacés par les intégristes. L'ennemi principal de tous les pays arabes et musulmans, c'est le régime de Téhéran. Il est impossible de vaincre les intégristes terroristes en Irak et en Syrie sans écarter le régime iranien de ces pays. Sur le plan militaire, on ne peut pas remporter la victoire sans les forces anti-intégristes et patriotes. Les tribus et les chefs sunnites irakiens ont plusieurs fois annoncé être prêts à lutter contre Daesh si les milices du régime iranien sont écartées. Sur le plan culturel, face aux extrémistes qui agissent au nom de l'islam, il est nécessaire d'avoir une alternative culturelle et religieuse. Une alternative fondée sur un islam tolérant et démocratique et l'égalité des femmes et des hommes et séparation de religion et de l'État. Sinon, le régime des Mollahs et les extrémistes sunnites vont accuser la lutte contre l'intégrisme de vouloir discréditer l'islam. Le MPI qui prône cet islam en Iran a réussi à former une antithèse culturelle et sociale à ce régime intégriste. Le soutien à la résistance iranienne permettra de faire connaître cette alternative culturelle qui aidera à empêcher le recrutement de la jeunesse européenne par les intégristes. Le deuxième sujet que je voudrais aborder, c'est le projet d'armes nucléaires que le régime iranien s'efforce de conserver grâce à la politique de complaisance et à toutes sortes de tromperies. Même si en novembre dernier, en raison de ces crises internes et de la pression des sanctions, le régime a été contraint de faire un pas en arrière, sa peur d'une explosion politique et sociale dans le pays et l'absence de fermeté des États-Unis et des pays occidentaux ont permis à Khamenei de rendre les conditions d'un accord encore plus difficile et sa perspective plus éloignée. Nous lançons à nouveau un avertissement. Tout accord doit comporter l'application sans condition des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, la fin complète de l'enrichissement de l'uranium et les inspections internationales inopinées de tous les sites suspects en Iran. Sinon, ce régime aura la voie libre pour se doter de la bombe atomique. Le régime iranien va prolonger les négociations pour compléter son programme nucléaire. Aussi, j'espère que la France, qui a toujours fait preuve de fermeté et de principe, ne permettra pas au régime iranien d'obtenir satisfaction.
Le troisième sujet que je vais traiter, c'est la répression cruelle du peuple iranien, avec un millier d'exécutions sous le mandat de Rouhani, en particulier Rehane Jabbari, samedi, parce qu'elle s'est défendue contre son violeur. Avec des prisonniers malades qu'on laisse mourir sans soin dans la souffrance, avec la persécution des minorités religieuses, avec la répression et les exécutions des Kurdes, des Arabes et des Baloutches, avec le harcèlement et les arrestations d'avocats et de journalistes, des internautes, et ces derniers sommets, avec l'agression des femmes à l'acide. Regardez les visages de ces femmes innocentes, brûlées par l'acide, que leur jettent les bandes criminelles des Mollahs. Comment la politique d'inaction de l'Occident peut-elle justifier ça? Les Mollahs au pouvoir ont poursuivi l'exportation de la répression hors des frontières de l'Iran. De l'assassinat des opposants à l'utilisation des gouvernements européens pour réprimer l'opposition avec l'étiquette de terroriste et l'utilisation du gouvernement irakien pour faire le blocus à Ashraf et à Liberty et massacrer les résistants. Jusqu'à présent, il y a eu 116 morts et près de 1400 blessés. 21 sont morts dans la douleur à cause du blocus médical et un homme et 6 femmes ont été prises en otage. Leur crime, c'est d'avoir résisté devant la bête immonde de l'intégrisme et d'être une source d'inspiration pour les femmes et les jeunes dans la lutte pour la liberté. J'espère qu'avec le départ de Maliki en Irak, la France va pouvoir agir avec tous ses moyens pour faire reconnaître Liberty comme un camp de réfugiés sous l'égide de l'ONU, pour faire lever le blocus, en particulier le blocus médical, pour faire assurer le minimum nécessaire à la sécurité et la santé des habitants tant qu'ils sont en Irak, pour faire libérer les otages qui sont retenus depuis le 1er septembre 2013 et pour faire en sorte que l'ONU ouvre une enquête sur le massacre d'Ashraf et fasse juger les responsables. Je vous remercie. Si vous permettez, je voudrais dire quelques mots en personne. نمایندگان محترم مجلس فرانسه، دوستان عزیز مقاومت ایران، خانم ها و آقایان. من امروز به خانه دموکراسی فرانسه اومدم تا از نقش منتخبان مردم این کشور در دفاع از مقاومت ایران در برابر بی‌عدالتی، به ویژه بی‌عدالتی در حمله 17 ژوئن در سال 2003 که امروز پیروزی اون پرونده رو در اینجا با هم دیگه جشن میگیریم و همچنین دفاع اونها از حقوق بشر سرکوب شده مردم ایران و به ویژه حمایتشون از زنان ایران تقدیر کنم. در این روزها مردم ما از جنایت عوامل رژیم ولایت فقیه که به دختران اصفهان و سایر شهرها اسید میپاشند عمیقا شوکه و متاثرند. اسید پاشی به زنان واکنش یک رژیم بحران زده در برابر مردم ایران و به خصوص در برابر زنان شجاع ایران است که برای برچیدن بساط ولایت فقیه
عزم جزم کردند. از شهریور گذشته با هدایت پشت پرده و برخی اظهارات علنی شخص خامنه‌ای، موج حمله سازمان یافته‌ای علیه زنان با رژه موتورسواران و صدور بیانیه‌های تهدیدآمیز توسط پاسداران لباس شخصی، اون هم با شعارهای تهاجم فیزیکی و اقدام عملی برای منکوب کردن مفسدان و حسب حامیان آنها شروع شد. وقوع این جنایت ها درست در روزهای تصویب قانونی در مجلس ارتشا صورت گرفت که در اون از عوامل رژیم در برخوردهای خیابانی با زنان و جوانان حمایت میکنه. همزمان نماینده خامنه‌ای در اصفهان خواستار جدیت به خرج دادن و استفاده از نیروی قهریه در برخورد با بدحجابان شد و کمی بعد نیروی قهریه به صورت اسید پاشی منویات پلید خامنه‌ای رو محقق کرد. و این است ماهیت واقعی رژیم ایران که پدرخوانده داعش است و ستم و شقاوتش نسبت به مردم ایران صد بار بدتر از اعمال داعش است. آخوندها از زنان ایران شکست خوردند. تحمیلات ارتجاعیشان نسبت به جامعه ایران به بن‌بست رسیده است و حکومتشان عمیقا متزلزل و بی‌ثبات است، به خصوص که زنان ایران هزار زن قهرمان شورای مرکزی مجاهدین خلق ایران رو به عنوان الگو پیش رو دارند. و باید بگویم که آخوندها با این بربریت آشکار و اعدام ظالمانه ریحانه جباری نمی توانند خود را نجات بدهند. این اعدام ها، این شقاوت ها و این شکنجه ها نهایتا آنها را از حکومت به زیر خواهد کشید. در این لحظه حساس ملت اسیر ما که با حلق‌آویز روزانه و خفقان و اسید پاشی هدف قرار گرفته، از حمایت نمایندگان فرانسه بسیار بسیار دلگرم می شود و همچنین امیدوارم که کوشش های اخیر فرانسه در مقابله با تهدید برنامه هسته‌ای رژیم ایران و حضور فعال فرانسه در خاورمیانه برای مقابله با دیکتاتوری اسد و بنیادگرای اسلامی در سوریه و عراق به خلعیت از عامل اصلی ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه، یعنی فاشیسم ولایت فقیه از عراق و سوریه و همچنین برقراری آزادی و دموکراسی در ایران بیانجامد. از همه شما متشکرم. On va passer un tout petit film de 2-3 minutes qui va illustrer la répression contre les femmes, les photos qu'on vous a montrées, et l'exécution d'une jeune femme. Voilà, on va regarder ça pendant 2-3 minutes. کردم بودم یه دفعه دیدم یه موتوری یه اسی تو صورتم پاشید. من یه باری دیدم که دارم رانندگی میکنم یه چیزی پاشید تو صورتم، بعد گفتم که اینا همه تو یک هزارم ثانیه اتفاق افتاده، یعنی میسوخت، داشتن میمردم از Thank you.
Madame la Présidente, messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs, chers amis, je voudrais d'abord vous dire combien je suis heureuse de me retrouver aujourd'hui parmi vous au moment où cette manipulation de l'opinion qui a commencé en 2003 à Auvers-sur-Oise maintenant est effacée. C'est-à-dire que justice a en effet maintenant été rendue enfin. Je ne sais pas ce que les parlementaires en pensent. Je pense que vous avez posé des questions à l'Assemblée nationale et au Sénat, au gouvernement, là-dessus. Il faut quand même qu'on puisse faire la lumière au-delà de cette mystification volontaire pour voir pourquoi ça s'est passé comme ça, comment et quels moyens ont été utilisés. Le juge Bruguière, bon, il n'était pas tout seul. Je veux dire, il y a un ensemble de facteurs, certainement, qui a joué. Il faudrait arriver à les décrypter. Je crois que ça devrait être possible. C'est effectivement un travail qui appartient aux parlementaires. Moi, ça me paraît tout à fait justifié de faire une étude sur ce qui s'est passé, ne serait-ce que pour éclairer l'opinion. Et puisqu'on parle de l'opinion, moi, je suis toujours très étonnée de voir le peu de place que tient dans les médias ce qui se passe aujourd'hui en Iran et ce qui s'est passé dans les années précédentes. Ce que nous venons de voir est terrible. Toutes ces jeunes femmes défigurées, probablement à vie, hein, par cette folie à la fois misogyne, sectaire, cette volonté de faire du mal, de tuer, de rabaisser les femmes. Notez, bon, c'est un trait de caractère qu'on trouve dans beaucoup de populations. Il n'y a pas qu'en Iran. Mais là, les formes qui y sont données sont extrêmes. Et donc, vous avez tout à fait raison de vous élever contre ça. Je vois qu'aux Nations Unies, il y a eu effectivement, les instances ont été saisies. J'ai une question à poser. Est-ce qu'aux Nations Unies, on montre ce film ? Mais vous devriez le montrer. Il faudrait faire une demande par nos représentants distingués aux Nations Unies pour qu'on accorde quelques minutes d'attention de tous ces personnages qui siègent là pour voir ce film. Il est très parlant. Il explique en très peu de temps ce qui se passe. Il y a la cruauté, il y a cette perversion, cette perversité épouvantable, ce mépris des femmes, ce désir de les rabaisser, bien sûr, mais en même temps une stupidité absolument sans limite. Et je pense que c'est ça qu'il faut essayer de dénoncer. Quant à toutes ces horreurs, et vous parliez tout à l'heure de cette jeune femme qui a été pendue, enfin vraiment, elle a été emprisonnée pendant 7 ans et demi. Elle a été pendue, elle avait 26 ans, donc elle est entrée en prison, elle avait à peine 17 ans. C'est presque encore une enfant. Elle a voulu simplement se défendre contre un agresseur qui voulait la violer. Bon, elle a fait ce qu'elle avait à faire en se défendant. Mais arriver à condamner à mort par pendaison une jeune femme qui n'a strictement rien fait de mal que de se défendre, c'est vraiment quelque chose qui va au-delà de ce qu'on peut imaginer, même dans ses pires cauchemars. Donc il y a vraiment dans ce régime quelque chose qui est fondamentalement pervers, qui est épouvantable et qu'il faut dénoncer. Alors je suis encore une fois toujours étonnée de ce qu'on nous montre au journal télévisé des choses qui n'ont pas grand intérêt en général, mais qui sont des babioles. Et on fait un drame de choses qui sont quelquefois tristes, dont on peut effectivement se plaindre, mais ça n'arrive pas à la cheville de ce drame permanent que vit actuellement la population iranienne, et en particulier les femmes. Mais je crois que maintenant, l'étape suivante, c'est de montrer l'horreur de ce régime. Alors, il y a peut-être des intérêts économiques, moi je veux bien, mais il n'y a aucun intérêt économique qui peut résister à tellement d'horreurs. C'est d'ailleurs stupide de penser que les intérêts économiques vont s'en sortir grandis. Ça n'est pas vrai. Y compris à terme, les intérêts économiques, c'est aussi d'avoir l'adhésion des populations. On ne peut pas faire du commerce ou vendre des technologies dans ce contexte-là. Alors, il y a effectivement le problème nucléaire qu'il faut surveiller. Et on nous dit, ah mais non, ils font simplement de l'énergie nucléaire, ils ne veulent pas faire la bombe, etc. C'est sans fin. Mais je pense que l'angle par lequel il faut prendre le problème, si je peux me permettre un conseil, le problème iranien, c'est ce qu'on a vu avec ce film. C'est-à-dire, ce sont les horreurs qui sont inadmissibles. C'est-à-dire que l'Assemblée des Nations Unies ne peut pas, à mon avis, tolérer que ce genre de choses continue. Et on a vu ces manifestations qui sont quand même formidables. Bon, il y a une résistance qui existe, mais il faut que cet esprit de résistance
se traduisent ailleurs qu'en Iran. Je crois que la France se grandirait de soutenir ce mouvement auprès de l'opinion en général et de prendre les choses à bras-le-corps et puis d'expliquer que, voilà, quels que soient les intérêts économiques, je veux dire, le problème n'est pas là, on ne peut pas continuer comme ça. Nous avons quand même, en France, été coupables pendant des années avec cette histoire d'Auvers-sur-Oise d'avoir cru un peu trop facilement ce qui se passait. Certains d'entre nous, je leur rends grâce d'ailleurs, depuis le début, n'y ont pas cru. Hein. On n'y a pas cru. On n'était pas très nombreux, mais on n'y a pas cru. Cette opération était montée de toutes pièces. Il y avait des intérêts derrière, certainement. Bon, maintenant, il ne faut pas continuer, puisque les choses sont de pire en pire. Je pense essayer de sensibiliser l'opinion. Et ça, vous allez le faire. Et encore une fois, moi, je suis prête pour ma part tout à fait à vous aider dans cette démarche. Merci. Madame la Présidente, chers collègues parlementaires, mesdames, messieurs, nous venons, chacun d'entre nous, avec des approches philosophiques qui peuvent être différentes, des religions que nous pratiquons ou que nous n'avons pas. Nous venons avec notre vécu, nous venons avec notre expérience politique. Mais je pense qu'aujourd'hui, comme durant les autres rencontres, nous venons avec une conscience. C'est-à-dire que l'engagement que nous avons aujourd'hui, bien sûr, nous avons beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour ce que fait Madame Rajani et puis l'ensemble des militants de la résistance iranienne, bien sûr. Nous sommes, par exemple, issus de cela, toujours très marqués par l'engagement militant de ceux que nous croisons dans la rue, sur le chemin du 101 et de l'hémicycle. Je crois que c'est important, ça, l'engagement militant, ça nous permet de comprendre, d'avoir des explications et de, dans nos consciences, de nous imprégner des priorités. Moi, pour ma part, aujourd'hui, je voulais tout simplement, rapidement, dans le temps qui m'a imparti, retenir deux aspects qui me semblent importants de notre engagement aujourd'hui. Le premier, d'ailleurs, c'est dans la continuité du film que nous avons eu. C'est tout ce qui concerne la violation des droits fondamentaux des femmes en particulier dans l'Iran des Mollahs. Mais ça, c'est pas de la simple misogynie. La misogynie, c'est une approche culturelle qui prend des dimensions différentes. C'est quelque chose de beaucoup plus grave. Ça s'appuie sur une idéologie. Ça s'appuie sur une conception d'un islam radical qui ramène les femmes en seconde zone. Ça s'appuie sur de l'idéologie réfléchie. C'est quelque chose de volontaire. C'est quelque chose de calculé, de réfléchi, donc. Quand on asperge une femme d'acide, c'est pas de la simple misogynie, c'est parce que derrière tout ça, on lui reproche la débauche. On considère que son voile ne cache pas suffisamment son visage et ses cheveux. On considère que ses vêtements sont trop larges. Ça s'appuie sur cette appréciation-là. C'est-à-dire que c'est une violence que je qualifierais d'idéologique et qui est mise en œuvre consciemment par le régime des Mollahs. De la même façon, cette pendaison de la jeune étudiante de 26 ans, Renae Jabari, tout simplement après 7 ans et demi de prison, parce qu'elle a résisté à un viol, et parce que dans cet acte de résistance, avec des aveux qu'on lui arrachait d'ailleurs sous la torture, elle a assassiné, tué celui qui voulait la violer. C'est du moins ce qui lui a été reproché. Derrière tout ça, là aussi, c'est considérer que la femme est objet. C'est considérer que la femme peut être violée. C'est considérer que la femme peut être soumise à des violences. Et ça, nous ne l'admettons pas. Et dans notre conscience à nous, c'est un des sujets qui fait que nous agissons avec la résistance iranienne. Deuxième aspect, pour ne pas être trop long, sur lequel je voudrais revenir, ça me semble extrêmement important dans le contexte. Nous vivons aujourd'hui, je crois, une forme d'angoisse tous de ce qui se passe au niveau de la planète. C'est terrible.
ce que fait Daesh et tout, et l'islamisme radical. Mais mesurons quel signal serait l'instauration d'une véritable démocratie en Iran. Mesurons quel formidable impact ça aurait sur le monde musulman et sur la planète tout entière. Mesurons ce que pourra apporter au monde une démocratie iranienne qui exterminerait l'islamisme radical et ses effets pervers et dévastateurs par la mise en œuvre de la démocratie. Imaginons ce que serait cette démocratie et les freins qu'elle représenterait dans ce monde où se développent les conflits sectaires et l'instabilité. Imaginons ce que serait cette démocratie contre les pratiques institutionnalisées, et on pourrait presque dire aujourd'hui banalisées, que sont la décapitation, que sont les amputations, que sont les lapidations. Ce chemin que les mollahs ouvrent et montrent, cette voie que les mollahs ont ouverte au Daesh notamment. Imaginons ce que serait cette démocratie qui apporterait cet oxygène, qui ferait vivre cette société civile iranienne qui est aujourd'hui étouffée, cette société sous la peur, parce qu'on ne veut pas que la rue s'exprime, et pour cela, on écrase les droits humains. Et bien, c'est tout cela, c'est parmi ces deux aspects que j'ai développés, mes collègues en développeront d'autres, c'est tout cela qui me fait dire aujourd'hui que les parlementaires présents, quelle que soit nos sensibilités politiques, nous sommes tous des résistants iraniens.